bonjour ou bonsoir ou bon après-midi ou bonne nuit à tous ceux qui regardent cette vidéo en dormant, parce que oui, c'est possible. Et non, je ne ferai pas la blague avec la carte Kiwi car elle est démodée. Je suis désolé, mais elle est démodée, si. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo que vous me demandez tout le temps. C'est à peine si je fais pas d'autres vidéos sur la chaîne pour vous, sur Instagram, tout le monde. Alors, c'est quand le prochain canular? Et c'est quand t'appelles mon chien? Et c'est quand t'appelles ma tante? Et c'est quand... J'adore ça. Donc oui, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau canular téléphonique avec des voix différentes. Donc comme d'habitude, je vais appeler les numéros que vous m'avez envoyés à piéger sur Instagram. Et je vais, comme d'habitude, appeler aussi des numéros au hasard. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à rejoindre les réseaux sociaux ici. Instagram, Twitter, Twitch, le Discord des petits créateurs si tu veux parler avec moi, si t'as une bonne chaîne YouTube et que tu veux qu'on la mette en avant, voilà. Et si vous voulez m'envoyer des numéros à piéger, ça se passe tout de suite sur mon Instagram en NP, je le précise. Sur ce, nous allons arrêter de blablater. Je dis nous allons alors qu'il n'y a que moi qui parle, il n'y a que moi dans cette pièce. Et nous allons commencer tout de suite avec le premier numéro. Putain, j'ai réussi à le rattraper. Je suis chaud quand même en vrai. Tu m'entends? Mais t'es Yoshi? Je suis qui? Tu es Yoshi. Yoshi? Yoshi! Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Robert. Non. Ouais, Eden, toi tu connais bien, hein, je pense. C'est qui, Eden? Bah, c'est toi, Eden. Eden Hazard? Ta gueule, Eden, ta gueule. Je sais pas, c'est toi. Je suis pas con. Eden quoi? Oh, ta gueule. Ah, toi, calme-toi. Allô? 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 Allô, je suis trisomique. Allô? Allô? Tu remets ta voix, sinon je te parle pas. Donc, je raccroche. Tu me rappelles avec ta voix, d'accord? Allez, au revoir. Allô? 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 Y'a quelqu'un qui m'entend? Ouais, vas-y, mets ta mère. Attends. Ça va. Oh non, pas ce type de répondeur. Je suis indisponible parce que vous êtes tombé sur ma messagerie. Voilà. C'est interdit ce type de répondeur là. Là, ça doit être ça, c'est puni par la loi. Ça, trois enfermes. C'est pas le youtubeur. C'est pas toi, Jessie, qui fait le voix sur YouTube. Jessie Mimasson, il a dit Jessie Mimasson, c'est une chaîne dédiée à la maçonnerie. Est-ce que tu peux dire abonnez-vous avec la voix d'Homer Simpson? Il y a déjà un début, hein. Il y a déjà un début. Ah, tu dois te raccrocher parce que je connaissais pas le numéro masqué, donc je n'entends jamais le numéro masqué. Numéro masqué, ça peut être aussi le youtubeur masqué. Tu veux pas nous donner ton prénom, wesh? Ariana. Comment, Ariana Grande? Ouais, mais à 2N. Ah ouais, du coup, c'est moins cool. T'as quel âge, toi? Je dirais que t'as... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donald Duck, ça passe comme ça. Ça, Donald Duck. Je m'appelle Jessie. Jessie, mais j'ai déjà vu ça. Oh, si je me souviens. Oh non, mais non, c'est vrai. C'est une de ces blagues. C'est le mec qui fait des imitations sur YouTube. Oui. Mon frère montre les vidéos de toi, en fait. Mais c'est lui qui m'a envoyé le numéro. C'est une blague. Mais non, c'est... Oh, le c'est une blague, ça sent que le mec, il a passé un sale quart d'heure. En plus, il me montrait hier la chanson, là, de s'emparer, là. Ouais, ne reviens pas. Ouais, voilà, celle-là, elle m'avait montré, c'est mort de rire. Que veut dire la grosse moulette, Herbogota? Grosse moula, ça veut dire... Oui? C'est une grosse moule? Oh, vous osez parler comme ça de la jante féminine en 2019? Mais dis donc... Grosse moula, ça veut dire une mule qui sert de monnaie d'échange. Vous avez dit, la grosse moula, c'est une mule, faut qu'il sert de monnaie d'échange? La grosse moulette, Herbogota, c'est ma mère. Comment vous appelez-vous? Moi, je vous ai dit mon prénom, c'est Stéphane Bern. Mais vous êtes qui, vous? Nous sommes Titouan. Je suis titouanphobe, voilà. Pourquoi cela, monsieur? À part vous, personne n'est raciste envers les titouans? Bien évidemment que j'adore les titouans. Oh oui, mais qu'il est mignon, le petit titouan. Vous avez tout compris. J'ai tout compris, pourtant, je n'ai pas free, je suis chez Orange. Ouais, alors, tu m'entends? T'es une gonzesse? Je te reconnais, Louis. Mais attends, comment ça, tu me reconnais? Je connais ta voix d'ici. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est clair. Fais des blagues à d'autres, hein. Je sais pas. Parce que c'est trop facile, je pense que je te reconnaîtrai entre 10 000. Tu gardes quand même ta voix. Quand j'essaye de la changer, je garde quand même la voix. Pourquoi t'as dit que j'étais dans l'ascenseur? Bon, je suis pas là, Louis, mène-toi! Non, je suis pas Louis! Je ne suis pas Louis! Oh, c'est chiant! Mais... C'est bon,
suffit. Bon, allez, c'était quoi ta demande? Mène ton cul, là. Je suis pas Louis. Je ne m'appelle pas Louis. Bon, tu voulais quoi? Allez, bouge. Mais attends, mais tu crois encore que je suis Louis? Oui, bon, allez, c'est pénible. Non, attends. Mais what? Mais what? Qu'est-ce qui... Non mais Louis, ça va 2 minutes tes petites blagues. Mais je m'appelle pas Louis. Non mais Louis, arrête. Non mais je te dis que je m'appelle pas... Putain Louis, tu m'arrêtes. Attendez, non mais là, je veux que tous les Louis qui regardent cette vidéo se manifestent en commentaire. Je veux que tous les Louis qui sont en commentaire me disent si cette personne vous cherchait ou pas. Peut-être que ce Louis est abonné à ma chaîne. On ne sait pas. Donc tous les Louis, manifestez-vous. Moi je dis hashtag je suis Louis. Ça veut quand même dire que Louis... Là, la voix de Tadoff. Attends, ça veut dire que son meilleur pote, il peut peut-être s'appeler Hugo aussi dans la vraie vie. Ouais, sauf qu'en fait, Hugo, mon meilleur pote, en fait, c'est Manu. J'ai pas toi, en fait. J'en ai ras-le-bol, d'accord? Mais Harry Potter, c'est toi? Vous avez la voix d'Harry Potter, monsieur. Le maître a donné à Dobby. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît, Dobby. Tu parles tout le temps à ma place. J'en ai ras-le-bol, Dobby, d'accord? Comment as-tu pu savoir que c'était Harry Potter? Dobby? Vous faites partie de quelle maison? Gryffondor, Serpentard, Poufsouf ou Cher d'Aigle? Je dirais Gryffondor par... Toi aussi tu es un Gryffondor, tu fais partie de la même team que moi. On est dans la même équipe. Moi je suis Poufsouf. Non mais Poufsouf c'est des blaireaux. Attendez, attendez! Poufsouf, ce sont des blaireaux, il a raison. Je préfère les youtubeurs, genre ceux qui font des imitations, genre... Jess Imitation? C'est qui ce gars-là? C'est qui? Moi j'ai fait la guerre, moi. C'est lui? Ah mais c'est Jess Imitation! Prends tes affaires, rentre chez toi. Prends tes affaires, rentre chez toi. Ben, ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. On a ici, vous êtes au téléphone. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes 6 garçons, là? Non, il y a une fille aussi. Ah, une fille avec 5 garçons, c'est bizarre. Tu fais une vidéo canular? Bah bien sûr que je suis en train de faire une vidéo canular. Mais calmez-vous! Moi je suis abonné depuis longtemps. Moi aussi je suis abonné. Vous allez chacun votre tour faire une imitation, d'accord? Maintenant, au suivant, on va voir qui est le meilleur. Au suivant, chacun fait une imitation. Le troisième, allez, ça enchaîne. C'était qui? Le mec, il s'est imité lui-même. Vas-y. C'est bien. Moi, je vais faire Emmanuel Macron. Vas-y. Mes chers compatriotes, il faut arrêter le délire des gilets jaunes, des enfants. Ça va ruiner le pays. C'était Emmanuel Macron, ça. Bah, tu lui diras d'aller bien se faire voir de ma part. Et moi, je dis la meilleure imitation, c'était... je dirais que c'était le sifflet. Tous ceux qui regardent la vidéo là actuellement, qui a fait la meilleure imitation sont tous ceux que vous avez entendus. Votez dans les commentaires. Le sifflet, Homer Simpson, Pikachu, Mario. Et Emmanuel Macron, bien évidemment. Est-ce que vous avez un mot à dire à YouTube, aux gens qui regardent sur YouTube? Abonnez-vous! Abonnez-vous à des imitations! Stephen Byrne, je ne vous dis rien. Non. Ça fait mal à l'ego et pas au Playmobil. Est-ce que vous connaissez Secret d'Histoire? Monsieur, est-ce que vous connaissez au moins Secret d'Histoire? Mais je suis le vrai Stéphane Bern. Bon, qui me fait cette blague? L'intention est bonne, en tout cas vous avez réussi à me faire rire. Mais je suis Stéphane Bern. Bon allez, c'est qui? Je suis fan. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une fois regardé une seule de mes émissions? Avouez-le, vous n'avez jamais regardé? Oui, bien sûr, Stéphane. Cher Stéphane, je suis un de vos fans. Vous faites partie de la team Bern? Oui, si vous voulez, oui. Napoléon Bonaparte, est-ce que vous vous souvenez des dates au moins? Ah ben oui, mais moi je peux vous les demander. Donnez-moi les dates de Louis XIV, par exemple. Comment ça, les dates de Louis XIV? Comme si Louis XIV était résumé à quelques dates. Bon, allez, c'est bon, c'est vraiment une clownerie, là. Sans savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes à une soirée vénitienne? C'est simple, moi quand vous me dites soirée, moi je viens pas tant qu'il n'y a pas d'alcool. Je crois que vous êtes un des étudiants qui fait un exposé sur la mission Bern. Il y a une mission Bern qui existe dans le monde. Écoutez, oui, la mission Bern pour la sauvegarde du patrimoine.
J'ai très très envie de refaire comme la dernière fois, même si ça m'avait coûté bonbon, c'est-à-dire d'appeler encore une fois des voyants. Donc je pense que ça va devenir une tradition dans les canulars téléphoniques. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas quand j'appelle, en plus de vos numéros, des voyantes. Donc là, comme la tradition le veut, nous allons appeler des voyantes. Let's go. C'est la voyante Sephora, mais c'est pas un magasin. C'est une voyante. C'est pas un magasin. Vous êtes la voyante Sephora? Oui, je suis la voyante Sephora. Moi, du coup, j'ai fait une vanne juste avant. Sephora, c'est pas un magasin. Elle s'appelle Nadia. Elle s'appelle Nadia. Est-ce que vous avez fait des anniversaires? Ouais, bien sûr. Elle est née le 9, le 15. Combien de temps que vous la connaissez, Nadia? Ben, une dizaine d'années. Relation est plutôt platonique en vrai. Platonique, ça veut dire quoi ça? C'est une relation où rien ne se passe pour l'instant. À chaque fois que je vois Nadia, il y a mon GG tout dur. On va dire plutôt que vous la désirez. Pourquoi? Vous avez déjà eu le GG tout dur? Avec nous les femmes, c'est pas pareil. Vous allez m'accorder juste un instant. Le temps pour moi de me connecter, on va dire, à Nadia et d'avoir plus de mes sentiments. Le temps que vous vous connectez, ça veut dire que quoi? C'est comme la connexion internet? Ah là là, ça sera vraiment difficile avec Nadia. Donc vous êtes en train de me dire que je dois me taper d'un bas? Je dois me taper ça quand les oreilles comme l'éléphant là, bon. Ah là 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 là, ça sera difficile. Vous appelez Sephora? Oui. Mais est-ce qu'on peut dire vous êtes très ouverte, comme le magasin? Vous avez compris la vanne? Ah là là. Ça vous dirait d'écouter un petit rap de ma part? Sephora, n'en reviens pas. Prends ta Sephora, rentre chez toi. Sephora, n'en reviens pas. Prends ta Sephora, rentre chez toi. C'était comment? C'était, on va dire, très intéressant. Oui, c'est moi, Sephora. Et j'adore manger du caca. Mais moi, je n'adore pas manger du coco. Vous n'aimez pas manger de popo? Pourtant, c'est ce qu'on fait tout le temps, ma petite soeur. Vous arrêtez pas de dire alala tout à l'heure. Je vais vous laisser, je vais aller pleurer, je vais aller me suicider au-dessus d'un pont. Très bien, pas de soucis. Je vais aller me suicider au-dessus d'un pont, y'a pas de soucis. Bon allez, bon du coup, je pense que là, vu l'heure, ça va être l'heure de fermer le magasin. Parce que tu t'appelles Sephora. Charlatan, j'ai du mal à le dire, mais d'après la voyante Sephora, qui est quand même niveau voyante, Nadia et Titeuf ne seront jamais ensemble. Mais comme le disait une grande personne, vraiment une grande personne, l'a dit en 2019, ah là là. Elle ne sait dire que ah là là. Hop 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 hop, oh, là je vous vois déjà venir les gens Titouan et les gens Christophe avec vos commentaires en mode « Non mais ces imitations, ils portent un t-shirt avec du cannabis, ça veut dire que ces imitations, c'est un toxicomane !» Eh bien oui, vous avez totalement raison.